Hola YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous ai parlé de mon challenge de lecture de 2024 avec ma fameuse affiche. Voilà, faut toujours que je fasse le... Bon bref, on s'en fout. Je vais la mettre là, comme j'ai fait pour l'autre vidéo, comme en mode tableau à l'école, ok? Je me suis munie d'un feutre, d'un marqueur noir. Je sais même pas si d'habitude ça sert vraiment pour du carton. C'est rien, bon, on s'en fout, c'est un feutre quoi. Je vous ai présenté mon challenge. Je vais lire en 2024 les 100 incontournables de la littérature ado, qui a été, voilà, la liste qui a été faite par Tom et Nathan Lévesque dans En quête d'un grand peut-être, le guide sur la littérature ado. C'était un livre absolument incroyable et voilà, je vous ai fait une petite vidéo la semaine dernière. N'hésitez pas à aller à la voir, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai bugué, je suis un peu fatiguée. Voilà, je suis un peu très fatiguée aujourd'hui. Voilà. Tout ça me demande beaucoup d'énergie et je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis fatiguée. Donc, je dis n'importe quoi. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, ok? J'ai fait plusieurs heures de live et c'est compliqué encore, c'est compliqué. Ben bref, on s'en fout, en vrai on s'en fout de ma vie, ok? Vous avez juste envie qu'on parle du challenge et bah, ceux que j'ai lus. Du coup, c'est un challenge que je me fais juste de moi à moi, ok, hein, voilà, sans pression. Mais du coup, aujourd'hui, ma mission est, voilà, pour ce premier épisode, on va dire, d'update par rapport à ça, tous ceux que j'ai déjà lus dans ma vie avant de me lancer dans ce challenge, oui, parce que, enfin, oui, je lisais déjà étant ado, donc oui, j'en ai déjà lu pas mal. Voilà, donc je vais les cocher en fait, les barrer, les cocher, enfin je sais pas trop comment je vais faire. Ça va être moche, mais j'en ai rien à faire. Voilà. Donc je vais me pousser un tout petit peu. Et comment je vais... C'est tellement grand, je sais pas comment faire. On va commencer par la première ligne, les enfants. Bon alors, j'ai lu 4 filles et un jean. Alors, je le barre. J'ai une petite table derrière, voilà, comme vous le voyez. Donc, je vais le barrer devant vous. Hop. Et voilà. Non, c'est pas tout. Ok. Hop, ça tient. Du coup, 4 filles et un jean de Anne Brachares, j'espère que ça se dit comme ça, c'est une saga que j'ai lue quand j'étais très jeune, voilà. C'est l'histoire de 4 filles qui vont trouver un jean et bah, bizarrement, elles sont très différentes et physiquement et psychologiquement et tout ce que vous voulez, mais le jean va leur aller à toutes les 4, genre parfaitement, comme si c'était un jean un peu magique, on va dire ça comme ça. Et sachez que c'est toujours des livres que j'ai dans ma bibliothèque, hein, tellement je les ai adorés, vraiment, voilà, c'est pour vous dire à quel point j'étais en amour de ces livres et que ça m'a marqué. Et en fait, on va suivre ces 4 amies qui, pour la première fois en fait de leur vie, vont devoir vivre un été en fait séparé physiquement. Donc elles vont énormément échanger. Hein. On est à l'époque des lettres, on n'est pas à l'époque de du visio, hein, Messenger et voilà, et tout ça, hein, et du live, et YouTube, ou machin truc, hein, ok, voilà, on n'est pas du tout dans cette ère-là, on est à l'ère des lettres, et du téléphone pièce, quoi, voilà, 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 peut-être qu'elles ont des portables, mais enfin bref, je me souviens plus, mais je suis même pas sûre, enfin bref, ce sont des adolescentes absolument normales, et... Ben, il va leur arriver plein de trucs que j'avais adoré et si vous avez des ados, voire même des enfants à la maison, ça marche de fou dingo, genre vraiment c'est trop bien, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de questions que les enfants
peut-être plutôt les enfants que les adolescents aujourd'hui, enfin voilà, se posent. Moi je les ai lus, j'étais assez jeune hein, quand même. Juste le dernier tome du coup est sorti très très après, peut-être qu'il n'était absolument pas prévu, j'en sais rien. Et en fait là on les retrouve beaucoup plus tard et effectivement c'est un peu, enfin le dernier tome est très différent, voilà, pas pour les enfants. Je le dis comme ça, franchement, moi ça m'a fait pleurer, genre horrible, donc peut-être éviter pour les enfants. Mais bon, voilà. Continuons la liste. Alors, toc toc, la quête des Willan. La quête des Willan de Pierre Bottero. Est-ce que vraiment on a besoin de parler de cette saga? En plus, je sais qu'elle est sortie en BD ou elle est en cours de sortie, voilà, en BD. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler, c'est juste incroyable, c'est du fantastique, c'est génial, c'est une aventure rocambolesque et tout à fait passionnante. Pierre Bottero est malheureusement un auteur qui est décédé il y a quand même assez longtemps aujourd'hui, mais il avait un talent fou. Je n'ai pas lu tous ses livres, mais en tout cas soyez sûr que La quête des Willan, franchement, c'est trop bien. En plus c'est des assez petits livres, donc trop bien, trop trop bien, trop trop bien, trop trop bien. 13 Reasons Why, je l'ai pas lu, par contre j'ai vu la série et je vais pas le cocher, ok, par souci d'exactitude je vais pas le cocher, mais je connais déjà l'histoire, donc voilà. En plus la série est réputée pour être meilleure que le livre, donc bon, voilà, en gros je connais l'histoire, donc je sais pas s'il y a grand intérêt, je sais pas. Entre chien et loup, très bien. J'avoue, j'ai pas grand chose à en dire. Ensuite, ensuite, le livre de perles. Ah ! Oh non ! Le livre de perles de Timothée de Fombelle, j'en ai parlé justement ce matin. Et c'est un livre qui est absolument trop bien. C'est un auteur qui a un talent de fou. Je vous conseille tous les livres qu'il a sortis. Pour être très très simple, mais le livre de perles c'est vraiment le meilleur que j'ai pu lire de lui. C'est un monde vraiment magique, c'était vraiment magique, c'est assez inédit d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ensuite Hunger Games, bon ça va. Elana de Pierre Bottero aussi, un personnage du coup qui est aussi dans La quête des Willan. Max de Sarah Cohen-Scali, un livre sur les jeunesses hitlériennes qui est absolument très 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 intéressant et je trouve ça hyper important de le lire. Voilà, mais c'est sur les jeunesses hitlériennes, donc pas fait forcément pour tous les adolescents, mais absolument absolument intéressant, vraiment. Ensuite, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Évidemment, c'est une des meilleures sagas de fantastique que j'ai lu de toute ma vie, enfin de fantasy que j'ai lu de toute ma vie, donc que dire de plus. Le labyrinthe de, je sais plus comment il s'appelle, Dasher, James Dasher, je sais plus. Très sympa, enfin surtout le premier tome, bon après voilà, j'ai beaucoup apprécié le premier tome surtout, les autres tomes étaient sympas aussi mais bon j'ai un peu moins accroché, surtout le film est bien adapté, le premier, après bon voilà, c'était, j'aime bien, c'est pas le meilleur truc que j'ai lu mais c'était chouette, c'était vraiment chouette. Nos étoiles contraires de John Green, on ne présente plus. Voilà. Bah franchement, il y en a plein que j'ai pas lu, hein. C'est abusé. Le chagrin du roi mort, c'est un livre que j'ai aimé, mais pourtant en passant énormément à côté. Voilà, c'est Jean-Claude Mourleva, et j'aime beaucoup Jean-Claude Mourleva. Notamment pour Jefferson, mais. Oui, Jefferson. Et La rivière à l'envers. Mais. Voilà, là j'avoue que je l'ai gardé du coup ce livre pour peut-être un jour le relire, peut-être que voilà en 2024 ça sera mon petit bonus de relecture, mais voilà je suis un peu passée à côté, mais en tout cas j'avais quand même
aimé, mais enfin voilà, je saurais pas dire parce que c'était bien, mais je passais à côté. Émotionnellement, je passais à côté. Ensuite, j'en étais où? Là. Ça, j'ai pas lu. Ça, j'ai pas lu. Twilight. Bon. Twilight, bon, voilà, hein. Moi, c'est sorti, j'étais au collège, donc normal que je l'ai lu. À la croisée des mondes, hein, incontournable, absolument. Voilà, faut le lire. Eragon. Tout. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Miss Peregrine. Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai lu que le tome 1. J'ai pas eu envie de lire la suite. Voilà. Parce que le moment ne s'y prêtait pas et je pense pas forcément le lire cette année. Après, peut-être qu'on aura des surprises. Mais en tout cas, j'ai lu le premier tome. C'était intéressant. C'était un peu loufoque. Ça jouait un peu sur certains trucs horrifiques. Je trouve. C'est décalé. C'est une lecture décalée. Voilà. Évidemment. Divergente. Bon. Je pense que je présente plus. Enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin de présenter Divergente, quoi, je pense. C'est une saga qui est sortie il y a longtemps, mais. Divergente, pour le coup, j'ai adoré. Et. Plus que Hunger Games. Vraiment plus que Hunger Games. C'était un peu la même époque où je les ai lus. Franchement, j'ai. Divergente. Divergente. Vraiment. Ça, j'ai pas lu. Ça, j'aimerais trop lire. C'est pas pratique, hein. Harry Potter, bon, on en parle ou pas? Non, on en parle pas. Surtout quand on pense à l'autrice aujourd'hui, on n'en parle pas. Voilà. Songe à la douche. À la douceur. À la douceur. Est-ce que vous voyez? Mais en fait, vous voyez pas, genre là. Attends. Vous voyez pas ce que je suis en train de barrer en fait. Là je suis en train de barrer là, genre Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais, une autrice absolument incroyable. Songe à la douceur, un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de toute ma vie parce que montre de poésie. C'est inspiré d'une pièce de théâtre et d'un opéra qui s'appelle chacun, enfin tous les deux s'appellent Eugène. Eugène Enoguin. Ah, je sais pas comment ça se prononce. Bref, et c'est en vers libre, un peu comme les livres de Sarah Crossan, et c'est absolument magnifique, genre vraiment magnifique, magnifique. Ensuite, ça j'ai pas lu, La voleuse de livres j'ai lu. La voleuse de livres, vous avez même un film aujourd'hui, c'est trop bien. Le monde de Charlie, j'ai vu le film, c'était très intéressant. Est-ce que je lirai un jour le livre? Est-ce que je l'ai pas déjà lu le livre? Franchement, je me pose la question. Parce que ma sœur l'avait et je crois que je l'ai déjà lu, mais je me souviens plus. Je me souviens plus en fait. L'étrange malaventure de Mirella. De Flore Vasca. C'était trop bien. Je l'ai lu il y a seulement quelques temps, je dirais. Enfin, quelques années, mais c'est trop bien. C'était sur. La peste, si je dis pas de bêtises, l'histoire d'une petite fille du coup pendant la peste qui est très pauvre et voilà, qui va vivre pendant cette période là, c'était trop chouette, franchement j'ai bien aimé. Peut-être que je le relirai parce que je crois que je l'ai toujours, donc ça pourrait être l'occasion, en vrai. et voilà, c'est tout. Mais j'en ai pas lu tant que ça en fait, je croyais que j'en avais plus que ça moi. Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Mais je croyais que j'en avais lu plus, moi. Attends, je vérifie que je vais pas oublier un truc. Oui, mais parce que je crois que quand j'avais compté, en fait, j'avais supprimé 13 Reasons Why et Le Monde de Charlie. Parce que du coup, je connais déjà les histoires. Donc ouais, j'en ai lu officiellement 20, mais je connais déjà l'histoire de 22. Bref, je vous ferai un update dans quelques temps de ce que j'ai lu
ou pas. Voilà, enfin si, de ce que j'ai lu. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça se passe bien dans votre lecture, dans votre challenge 2024 et tout ça et tout ça. Je vous dis à très très bientôt, enfin je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous fais des bisous.